pas trop dur de rester à l'hôtel? Ouais, bah j'imagine qu'il n'y a pas grand chose à faire. Ouais. Et le consulat, tu les as rappelés? T'es toujours sur liste d'attente? Ouais. Okay. Bon, bah fais attention à toi quand même. Ouais, moi aussi tu vas me manquer. Si, tu vois bien qu'il respire là d'un seul coup. Bah ouais. Bah oui, il change de dimension quoi. Non, je sais pas, ça me parle pas, mais ouais, ok. Sinon, je me disais. C'est quand même cool de passer du temps tous les deux, non? Ouais. Et dans une grande baraque en plus, hein. Pas dans des hôtels pourris, dans ton petit studio. Je crois que ça t'a jamais dérangé. Oh! Hé! Hey. Je disais ça comme ça, hein. Tu sais bien que le plus important c'est qu'on soit ensemble. Ouais. On reste, on s'en fiche. Il y a ton téléphone qui sonne. Ah mince. Ok, bon je te laisse. François, tu m'entends? Ouais. Ça va et toi? Tu as mangé? Bah, je viens de terminer là, j'étais en train de boire un verre. Et toi? Bah, tu sais, il est déjà presque minuit ici donc. Et il fait toujours aussi chaud. Et ton dos, ça va mieux? Ouais. Avec le confinement, heureusement que j'ai pris des médocs. Sinon, ça aurait été compliqué. À ce propos, j'ai eu le consulat. Ah, alors? Tu vas être contente. Je rentre dans 5 jours. Génial. Attends, 5 jours, c'est vendredi, ça? Oui. Bon, tu me préviens si tu veux que je vienne te chercher? Ça marche. Bon, écoute, je vais aller me coucher, j'ai une réunion importante demain. J'ai hâte de te voir. Je t'embrasse. Moi aussi. Il est sérieux de nous emmerder même à distance, lui. Je vais aller prendre une douche, ça va me détendre. Qu'est-ce qui se passe encore? Antoine! Qu'est-ce qui se passe, là? Je sais pas. Il doit y avoir une panne. Ou un court-circuit. Attends, suis-moi. Hein? Suis-moi. Mais quoi, mais tu fais quoi là? Attends, mais tu vas où? Non, mais c'est pas normal ça, c'est quoi ce délire? François a installé un système de sécurité. Il n'a pas l'air de bien fonctionner. Mais le problème, c'est que sans courant, je vois pas comment on va faire, là. Je sais pas, moi. Appelle-le, bordel. Oh, tu te calmes. Je vais l'appeler. Il répond pas. On fait quoi? Aucune notice là-dessus, je comprends pas, il y en avait plein avant. Je rappelle François. Je rêve répondeur. Bon, et toi, au lieu de rester planté là, tu voudrais pas venir m'aider? Yes.
En cas de panne, le système d'alarme se trouve sous les escaliers dans la cave. Appuyez sur le bouton rouge. Eh ben tu vois, quand tu veux, tu peux. On y va. Merde, mais qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est bordel. C'est quoi ce délire? Y'a pas de bouton rouge là! Et toi, trouve une idée, fais quelque chose quoi! Quoi? Bouge-toi! Pardon? Putain, prends une initiative pour une fois, tu fais rien là! T'es comme un gamin depuis tout à l'heure là qui a peur de tout! Mais c'est toi qui m'as invité dans ta baraque, pourquoi c'est à moi de trouver une solution? Dis donc que t'étais bien content de sortir de ton appart de merde! Je crois surtout que t'étais contente de te faire baiser dans mon appart de merde, non? Tu vois, c'est presque un compliment venant d'une nana qui trompe son mari depuis 5 ans. Comment j'ai été assez conne pour croire qu'une relation était possible entre nous? Non, non, non. Je crois que la vraie question, c'est plutôt comment t'as été assez conne pour croire que j'étais là pour autre chose que pour la thune. Quoi ?